Bien sûr, moi je suis un danseur, donc je travaille beaucoup avec la question de la gravité. Là, c'est un petit peu ma base de travail, comme les sportifs. On est toujours en train de gérer la question de la gravité, de l'élan, de comment on va bouger dans l'espace. J'ai appris que la gravité était la force la plus faible des quatre forces fondamentales. Que finalement, on était juste déposé sur la surface de la Terre. Que si la force était vraiment puissante, on serait absorbé par la Terre elle-même. La meilleure preuve, c'est que je peux lever mon bras, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de force pour résister à la masse de la Terre en entier, qui est quand même assez énorme par rapport à la masse de mon corps. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, disons, c'est vraiment d'essayer d'aller le plus profond possible, disons, dans les concepts qui vont le plus loin, c'est-à-dire comprendre comment, au niveau comment les particules fonctionnent entre elles, quelles sont les interactions entre les particules, et comment est-ce que je peux adapter ce genre de choses à ma danse, c'est-à-dire pour créer du mouvement à partir de principes physiques. Et c'est ça qui est assez difficile en fait à mettre en place, mais on a commencé à comprendre un petit peu quelles étaient les pistes qu'on pouvait suivre pour mettre en action du mouvement qui aurait une certaine cohérence avec des principes physiques. Et pas juste faire quelque chose à la physique ou inspiré par la physique, par la cosmologie ou la physique des particules, c'est évidemment très inspirant, mais essayer d'être quand même assez précis et de s'imposer des règles qu'on respecte. Et je pense que de ce point de vue-là, on aura plus d'imagination. Donc, pendant ces 3 mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de physiciens avec qui j'ai eu des discussions, qui m'ont expliqué leurs différentes expériences, leur travail, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis moi, de mon côté, j'ai essayé de trouver à l'intérieur des principes de la physique des manières de mettre le mouvement en action et de voir si je pouvais appliquer des principes physiques à la construction chorégraphique. Donc, une des actions qu'on a faites était dans la librairie, dans la bibliothèque du CERN. On l'a fait 2 fois, une fois sans que les usagers soient prévenus de notre présence et une fois avec quelques invités qui sont venus voir. Donc on était 3 danseurs et en fait on se promenait à l'intérieur de cette bibliothèque de manière très douce et en prenant des livres, choisissant des livres, mettant la tête dans les bibliothèques, des actions comme ça assez calmes. Qui se passait en parallèle à la vie de la bibliothèque. Donc nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était de ne pas déranger l'espace-temps de la bibliothèque. On était comme des espèces d'êtres qui seraient venus d'une autre dimension et qui dans cette bibliothèque, faisaient un passage, étaient comme s'ils se reposaient en fait dans leur voyage dans cette bibliothèque et qu'ils avaient un décalage et un autre espace-temps et qu'ils étaient de fait invisibles. Voilà, c'était inspiré probablement d'un film de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir, où il y a des anges qui vont dans des bibliothèques pour se reposer. La danse peut tout à fait s'inspirer et utiliser même des principes physiques pour créer du mouvement. Je ne pense pas que la physique va s'inspirer de la danse pour trouver des solutions. Donc il y a quand même un décalage entre ce que nous faisons en tant qu'artistes et ce que eux peuvent faire en tant que physiciens ou scientifiques. Par contre, je pense qu'on développe des manières de penser latérales qui peuvent les aider à penser simplement un petit peu différemment. Et je crois que pour eux, c'est ça qui est utile, et c'est pour ça qu'ils aiment en général les arts qui sont en lien avec leur science, parce que finalement, le regard de l'artiste sur la science est toujours un peu décalé, des fois naïf ou simplement avec une espèce de position différente qui fait que ça peut les intriguer. Hier, Michael Doser, donc, qui est un physicien du laboratoire de particules, parlait que lui, une des choses qui l'avait fait réfléchir dans l'intervention qu'on a faite dans son laboratoire, c'était la question de la gravité. Donc, il lui dit que la gravité, c'est quelque chose qui va vers le sol et nous avions un peu inversé. Tout d'un coup, on avait fait une espèce de gravité qui serait verticale. Donc, lui, c'est. Alors, je pense que ça a à voir, il faudrait que j'en parle avec lui plus en détail, mais je pense que ça a à voir avec ses propres préoccupations, puisque lui, il met en place une expérience où ils essaient de prouver que les particules d'antimatière subissent l'effet de la gravité. Donc, ils vont lancer des particules d'antimatière et voir si elles tombent sous l'effet de la gravité. Donc, j'imagine que dans ses préoccupations à lui,
ça lui signifie des choses. Alors, qui sait, peut-être que inconsciemment, dans ses rêves, il trouvera peut-être la solution parce que tout d'un coup, il a abordé le problème d'une autre manière. Donc, je pense que c'est ça qu'on peut amener. Et puis, on amène aussi une connaissance du corps, une connaissance dans le corps, une autre manière d'apprendre, une autre manière de réagir aux choses. Voilà, et je pense, de toute façon, l'art en général est bon pour tout le monde. Enfin, l'art est de toujours à réfléchir différemment. Ça peut être pour se divertir, se détendre, mais ça peut aussi être pour travailler. Le cinéaste Godard disait que le spectateur doit travailler quand il regarde un film. Il n'est pas là passivement. Alors, on peut aller des fois au cinéma pour travailler, on peut aller des fois au cinéma pour se divertir en regardant un blockbuster, mais disons que la culture devrait toujours générer quand même une réflexion et une pensée. Donc moi, je prétends que la danse contemporaine est bien adaptée à ça parce que c'est assez abstrait, c'est pas narratif, c'est vraiment contemplatif. Donc on regarde des choses, on est assez libre de penser ce qu'on veut et en même temps on est guidé à travers un parcours. Donc pour moi, c'est un des évidemment c'est l'art que je pratique, c'est un de ceux que je préfère, mais même en tant que spectateur. Donc c'est une des choses que par exemple j'aimais communiquer aux physiciens, c'est de leur donner aussi ce goût de la danse et de l'art contemporain en général, comme eux ont essayé de me donner le goût de la science et de la physique.